J'ai vu et ça a tourné. Oui, mais moi je fume, je ne peux pas suivre quelqu'un pour l'arrêt. Ben, c'est son objectif, c'est pas le vôtre. Donc c'est la question, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Laurence, toi, par rapport à ça? Alors, c'est-à-dire que la personne disait, je ne peux pas faire comme mon... Oui, moi je suis thérapeute et je fume. Je ne peux pas accompagner quelqu'un qui vient me voir pour arrêter de fumer. C'est pas Ah oui, tout à l'objectif. fait. Alors ça fait référence effectivement au thérapeute qui devrait être le modèle. Alors c'est souvent valable comme en coaching, hein, on dit que le coach, il doit, entre guillemets, représenter un petit peu une sorte de modèle ou quelque chose d'exemplaire. C'est pas forcément le vrai en thérapie, sachant qu'effectivement, de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'a pas les mêmes objectifs que nos clients. Oui, je suis très tout à C'est fait clair. d'accord avec toi. Et que tout ça fait référence justement à cette notion d'objectif et cette notion de valeur et croyances qui sont propres à chacun. Et peut-être que pour fumer quelqu'un, c'était un objectif parce qu'il a effectivement ses raisons de santé, de valeur, de modèle par rapport à ses enfants. Bref, tout un tas de raisons qui font que cette personne a envie d'arrêter de fumer. Alors que pour le thérapeute, enfin pour cette personne qu'elle est, tout simplement, bah, c'est un loisir, c'est quelque chose qui lui fait du bien et que ça n'atteint en rien, en fait, ni ses valeurs, ni son état de santé, ni ses croyances, et que pour elle ou pour lui, bah, c'est OK de fumer un certain nombre de Tout à cigarettes. fait. Voilà, comme c'est OK peut-être aussi pour lui de ne pas faire de sport, c'est OK pour lui de plein de choses, et chacun ses objectifs. On est bien d'accord. Tout à fait. Voilà, je voulais juste clarifier cette question parce que comme ça, bah, ils ont la réponse.